Alors, Monsieur Cyril Francesca, nous allons recevoir notre invité. Bien sûr. Au nom de prophète Enoch Bopolo. Alors, Bopolo. Alors, lui, il est prophète. Oui. Et on va défendre avec lui, débattre plutôt avec lui ces sujets, au fait, qui nous a été envoyé par un téléspectateur qui nous a dit que. Non, toi, il y a Benin. Après, tu vas expliquer. Voilà. Bonjour, prophète. Bonjour, Madame Marlène. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, on est là. En tout cas, là, c'est payé. Amen. C'est l'essentiel, hein? C'est la grâce de Dieu. C'est l'essentiel, la grâce de Dieu, comme vous avez dit. Voilà. Alors, prophète, si nous vous avons fait appel, les Akakapona, les Kambo Oyo, Balania, Bisso, à poser Bisso. Bisso, tu connais Koloba, en tant que Bahimain, en tant qu'analyse de Bisso. Mais on voulait en fait avoir une personne qui est un peu expert dans la matière. Alors, cette personne nous a écrit, moi, j'ai perdu mon partenaire à cause d'une prophétie. Donc, à Bungisi, mon bali na yo tope mo linga minaye, bikolo, ya, ils ont une prophétie? Lisakoli. Bon à Lisakoli. Exactement. Voilà, donc prophète, biso tenu toi et banane, Lisakoli. Parole de connaissance, na prophétie, les animes, à votre côté, na vif et à ce jeune homme. Voilà, je tiens à être reconnaissant pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à madame, monsieur, même propriétaire de la chaîne et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Voilà, pour répondre au sujet du jour, alors, premièrement, je vais directement commencer à expliquer. Comme Madame Marlène m'a dit d'expliquer, c'est quoi la prophétie et c'est quoi le don de la parole de connaissance. Alors, si tu es à la maison, peut-être moi je ne pourrais pas le faire. Ouvre avec moi la Bible dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset, la Bible nous parle du don spirituel. Voilà. Alors, la Bible commence à énumérer le don spirituel et vous allez voir que la Bible parle du don de la prophétie. Et après, il parle du don de la parole de sagesse. Et après, il parle du don de la parole de connaissance. Alors, il y a une confusion qui existe maintenant dans l'église où les gens sont en train de confondre les choses. Déjà, le don de la prophétie, c'est une autre chose. Le don de la parole de connaissance, c'est encore une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Déjà, vous êtes intellectuel, vous avez étudié. Si nous devons définir le mot prophétie par vos dictionnaires, vous allez voir, on parle de la prédiction. Oui. C'est-à-dire, on parle de quelque chose qui va venir, quelque chose qui va arriver. Exactement. Alors, quand j'ai prophétisé sur maman ou papa, le Seigneur me dit, Dieu me dit, priez, je vois l'esprit de moi, vous avez, je vois ça, ça, ça c'est la prédiction. Je vous dis ce qui va arriver. Mais il y a aussi une autre dimension de la prophétie, c'est la dimension de la révélation. Oui, dans la révélation, nous pouvons voir la prédiction, ce qui va arriver, c'est aussi une révélation. Mais dans la révélation, nous pouvons aussi voir le passé. Parce que, à deux fois, il y a des choses qui se sont faites dans nos familles, qui se sont faites dans nos quartiers, nous ignorons. Mais nous prions, le Seigneur nous dit, vous voyez la place où vous habitez, il y a eu quelque chose qui s'est passé, telle ou telle autre personne. Vous êtes révélé, c'est aussi la prophétie. La prophétie a révélé quelque chose qui était déjà caché. Alors, lorsque nous parlons du don de la parole des connaissances, pour ceux qui lisent la Bible avec moi, allez visiter Jean 4. La Bible parle, si je ne m'abuse pas, Jean 4, la Bible parle de l'histoire de la femme samaritaine où il rencontre Jésus. Et Jésus lui pose la question, mais où est ton mari? Je n'ai pas vu ton mari. Il répond à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui répond, tu as dit vrai, car tu as eu 5 maris. Jésus ne connaissait pas la femme, mais Jésus lui détaille que tu as eu 5 maris. Ça, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un signe dans la prophétie. Parce que quand j'ai prophétisé sur la dame, je lui dis, je vois un esprit de mort, elle peut douter. Mais quand je lui dis, comme si vous venez de faire ça, 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 elle se dit, oh, mais comment ce monsieur connaît, moi je ne le connais pas, il connaît ma vie. C'est ce qu'on appelle la parole des connaissances. C'est une parole dont la personne a la connaissance. Donc, ça ne peut pas être une parole de connaissance si moi je ne le reconnais pas. Tu ne peux pas me dire, ton nom c'est Mujinasi, ce n'est pas mon nom. Quand je reconnais que c'est mon nom, c'est une parole dont j'ai la connaissance. C'est ça la parole de connaissance. Et donc,
Il y a un peu cette confusion-là que les gens ont tendance à confondre. Et donc, la prophétie, c'est prédire l'avenir, c'est révéler ce qui est caché. La parole de connaissance, c'est détailler ce que la personne vit actuellement ou ce que la personne a vécu dans le passé. Ah, moi, je pense que prophète est plus bilingue. Ok, ok. Parce que Marambolobi, il a plus pour Yoka, tout comme il a pris pour Yoka. Mais il a besoin de tout Yoka. Il est surtout. Ce qui est dans la bande là, dans la bande là, dans la bande là, voilà. Parce que dans la bande, vous avez plus de pistes en français. Dans la bande là, tout le monde est pour la bande de prophète de Bazoka de Mounokoya français bientôt. Tout le monde est différent, c'est entre deux et la prophétie. La parole de connaissance. Parole de connaissance, tu Pessi Mukanda à Jean 4, si je ne m'abuse pas, histoire de femme samaritaine, où il y a soiseau détaillé qui a 5 mibales. Alors, parole de connaissance, ils ont la 4, elles donc prophéties opérées. Parole de connaissance, c'est Yaka, ils ont la signe. Parce que dans le Bible, il y a un peu de temps, il y a un peu de douter. Mais elles ont l'habitude que les autres sont en train au Taliboué, d'ailleurs, mon bali n'a pas comme on est tel. Nde yango to ben yango, parole de connaissance. C'est-à-dire, aux oeufs, ça moutou les cambo, oh moutou, mon bali reconnaître qu'ils a vrai. Ils a solo, ils a ma kambazoubika, nde to ben yé parole de connaissance. Dans la prophétie, to le bi prophétie, ils a prédiction. C'est-à-dire, li kambo yo et kokoma. To le bi sou, ils a fait révélation. Li kambo yé bombana, dans le passé ou dans le présent, oh moutazo ignoré, oh mouta yébité. La prophétie pour tout la kango et tali sakango. Donc, na moke otolobi yango. Donc, ce to comprendre bien, nous sommes balé tambola ranze la moko. Et tambola ranze la moko. Yango mon ami ba prophète, a koye biso venir, a biso pe vinay. Voilà. Donc, maintenant, ce que je suis sûr que Francesca est d'accord avec moi, et même biso sikoyo, na katia sujet na biso. Parce que, wana ce que photo yé ba. Moi, c'est tant que moi, j'ai perdu mon partenaire à cause de la prophétie. Yes, il y a sa parole de connaissance. Il y a sa parole de connaissance. Il y a sa parole de prophétie. Par rapport à où il y a sa prophétie. Voilà, je pense que hier, lorsque Mme Marlène a parlé de l'histoire, si je ne m'abuse pas, c'est une dame. On a prophétisé sur elle, mais à perte de relation à cause de la prophétie. Alors, premièrement, je vais être très bref, je vais répondre, je vais permettre que Bao Bazo Anabiso va comprendre vraiment en profondeur le message où on a passé. Maman, papa, vous savez, dans l'époque où nous sommes, c'est l'époque où les enfants de Dieu doivent être prudents. Il faut pas aller en Kindi, il faut pas aller en Abokebi. Les bébés sont prudents comme les. Vous savez, si vous n'êtes pas prudent, on peut vous manipuler. Si vous n'êtes pas prudent, on peut vous gober. Comme mon anzelo ezaya voté. Bible et lobby ni Nicolo ya prophétie. Toi, fous la Bible. J'aimerais que tu lises avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Sous l'attaque, on va peut-être le prophète a fondé. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Moi, j'ai trouvé, ça nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Madame, répétez pour la dernière fois. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, c'est une recommandation en fait, exactement. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Là, c'est les épîtres de l'apôtre Paul qui écrit aux gens de Thessalonique. Il leur dit ceci. Ne méprisez pas la prophétie. Mais faites quoi? Examinez, retenez ce qui est bon. J'aimerais dire à ma soeur, ou à connaître le cas, Aïbeloromoko, prophétie ba examinaka. Prophétie ba discernaka. Pourquoi on doit discerner la prophétie, papa? Parce que toute prophétie ne vient pas de Dieu. Il y a la prophétie, je peux donner rapidement le voie de la prophétie aujourd'hui. Il y a la prophétie qui vient par la pensée. Va lire dans 1 Samuel 16, verset 6, la Bible déclare, le prophète Samuel entre dans la maison d'Isaïe, il voit Eliab, il dit, celui-ci est le roi de l'Éternel. Dieu lui dit, détrompe-toi.
Car Dieu ne regarde pas par ce qui frappe aux yeux. C'est-à-dire Samuel a prophétisé non parce que Dieu lui avait parlé, non parce que Satan lui avait parlé, c'est parce que ses pensées à lui. Il a vu la taille d'Eliab, il a dit certainement. C'est beaucoup plus focalisé par rapport à sa taille, à son image. Aujourd'hui, madame, il y a beaucoup de prophéties qui se focalisent par rapport à l'image de quelqu'un. Vous voyez, quand je vois le monsieur bien habillé comme ça, je ne vais pas lui dire, non, mon ami, c'est le non, mon ami, en tout cas. Pourquoi? Je prophétise par la pensée. Peut-être si on, je ne vois pas madame avec bague alliance dans le bac à la célibataire, je prophétise par apparence, par des pensées. Deuxième voie, il y a aussi la voie diabolique. De prophéties qui ont pour source Satan eux-mêmes. Entrer dans un des apôtres, la Bible déclare lorsque les apôtres étaient en train de marcher, il y avait une femme qui prophétisait sous l'esprit des pitons. Il prophétisait des choses exactes, des choses vraies, mais l'esprit qui était derrière elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que les apôtres ont pu discerner, ont pu chasser les démons, parce qu'il y avait des messieurs qui prophétaient de la dame, qu'elle prophétise. Et derrière, Bassani, Baliamou. Donc, ils ont la bataille, le prophète, le lobo kangango, mutazo la nanga, le lona, la robe la maman. Ils ont la prophète, le prophète, ils ont la pensée. Ils ont la moussoupe, le prophète, ils ont la démon. Mais l'imo mabe. Parce que Satan aussi donne la prophétie. Les gens qui sont dans le monde franc-maçonnique, maïkari, magie rouge, rosicristien, ils vont vous dire que dans leur secte, il y a une secte déterminée pour les hommes de Dieu. On te donne la Bible, on dit prêche tout. Mais tu vas prophétiser sur notre puissance. Il y a des prophéties qui sont aussi fausses. Alors, ce qui moi dans Zambé, Azan a discernement, moi dans Zambé, Azan a boyé bité. Ça dit prophétie, on se propose sans ça. On dit ma. Et la troisième voie, c'est la voie officielle, c'est la voie de Dieu. La Bible dit ceci: on reconnaîtra un prophète lorsque ce qu'il a prophétisé est arrivé. Si je suis un vrai prophète et que je prédis une chose, la chose doit s'accomplir. Alors, beaucoup de prophètes aujourd'hui masqués. Certains sont des faux prophètes. Bamuswaza, basakodika, kabalati, kombo, bam masqué na kombo à prophétie. Bam comme ils ont sakola, mais bam bam sakola, ils ont été pas zambété. Bam ceux ont été pas satana. Bam ceux ont été dans la canne na bam. Yango, ils ont singa, ils ont demandé. Et le montazo peut s'en prophétie. Et le koyo est singé au sala. Examiner en mon akatia iloban zambi. La même question que nous faisons tout n'importe où. Oui. Vas-y maman. Chez toi, lobby est intéressé vraiment ma case et examiner en mon par la iloban zambi. Mais pasteur, en fait, tout comme on a Nicolas et comme le quoi n'est-ce pas mon message, dans mon carabiche à Congo où nos pasteurs nous disent il ne faut pas douter de ce qui sort de la bouche du pasteur. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que le pasteur maîtrise qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce qui est à lobby, et comme il est à niveau Mokoya, oui et amen. Donc, tout ce qui sort de la bouche d'un pasteur devient l'évangile. En fait, ça devient d'office une évangile. Ok. Alors, par rapport à l'Ikamu et Komeni, l'Ikamu et Komeni, dès qu'on a vu sur la pensée, à perdre la relation à elle, parce que le pasteur a dit que non, certes, la relation à la Mobali Wana a été ajoutée. Il y a aussi un monde qui, que ceux qui m'ont balané, ils sont tous les Pakala, et Kolanda, ils sont tous les gens qui ont été ajoutés. Mais la même personne qu'elle a refusé, s'est marié avec une autre personne. Ils sont heureux. Est-ce que Nakawana, il n'y a que ça les makaka soit qui ne connaît pas ce à ce qui monte makasi à kulinga relation en acte jusqu'au bout ou bien zambi à épargner ou soit encore et là là bas des enjeux hein, qu'on voit donc ce sont des questions et pour ramasser un peu la bas réponse est belle. Il y a des enjeux où les alliés pasteur peut-être azan ko suggéré ndeko na relation ya muto ya lingi. Alors ndeko tangwa ye les relations yo ya ye pasteur alingi angote a celle de façon que a disloquer relation na pour que a orienter soeur ou frère dans une autre direction
par rapport à ça, parce que vous dites que Bilonde, vous avez un monopole et un évangile. Vous êtes un bandit. Vous êtes un dîme. Vous êtes un bon pour vous. Ceux qui sont tous aimés, tout le monde qui m'a dit, ou bien ceux qui souhaitent désobéir à l'ordre de Dieu. D'accord, vous êtes un bon. Madame, pour en répondre ou bien, je vais répondre à la première phase de la question. Tout le monde la Bible. 1 Jean, chapitre 4. À partir du premier verset. 1 Jean chapitre 4. À partir du premier verset. Nous répondons face au lobby. Le Baba Salanza, mais le premier évangile. C'est-à-dire, sera le lobby A, il fait à la A. Donc, total. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1, dans le premier verset, bien-aimé, n'ajoutez pas. 1 Jean. C'est 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 4. Verset 1. Voilà. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vous réponds, madame. Voilà. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'émettez pas foi en tout esprit. J'aimerais expliquer quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'esprit et le pasteur? Premièrement, la Bible déclare ceci, c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour que quelqu'un parle de la part du Christ, il doit être poussé par l'esprit de Dieu. Mais pour qu'aussi quelqu'un parle de la part de Satan, il doit être poussé par un esprit mauvais. Cela veut dire, si l'esprit qui anime l'homme de Dieu n'est pas de Dieu, d'office, elle est dit. C'est pour cela que la Bible dit, bon tia pondi mananion sauté, bon éprouvé. Tous les gens qui ont dit, bon, ils vont examiner. Est-ce que ma ramoura est là? Et ça, Nzambe, tu es un esprit en Nzambe, tu dans la mentalité, il y a des Congolais et des mamans, ils ont pu se faire un bandini. Donc, il y a des gens c'est pour cela il y a beaucoup de femmes aujourd'hui pour faire des bisiers. Ça veut dire qu'on a bien un démon, on a une photo couché ensemble. Ah ça il nous. Ah les noms là ça. Il faut n'a pas colombi d'option n'appartient à Tim Masani. Andimi. Pourquoi tout ce que le prophète dit pour naïe, ils a souvent, ils a erreur et église. Pourquoi maman, bandimi bébé le loup a bibliothèque. Bon ça la macambo, selon où le pasteur a lobby. Pasteur à cause de la peine erreur. Bible est l'obini. Au coucher nanga, selon la Bible dit quoi? La Bible dit vous chasserez les démons au nom de Jésus Christ. La Bible ne dit pas que vous chasserez au nom les démons par l'acte sexuel. Non. Directement, tu fais quoi? Tu fais un refus. Soit il y a une parole de Dieu, au sang. On cédait, exact. On cédait. Pour répondre à la deuxième phase. Oui. Ndeko, bape si est prophétie. Et que quelques temps après, mon bal il fallait balayer, à balayer moi c'est mon sousou. Mais baza est né sengo. Maman a tout mis à l'objet, prophète. C'est quoi, Nzambe a épargné, que peut-être il y a un azalana malheur. Il y a un Nzambe a épargné, il a permis de balayer qui n'est pas pour mon sousou. Tout, Ndekoza qui dit balayer, mais prophétie Zaki Mabe. Je vais répondre ceci. Premièrement, on va commencer par examiner la prophétie. La prophétie dit quoi? Que ce qu'a côté du balayana a aux années sengoté. Les abonnés, à vous plaire, à vous lire. Parce que mon balouan a balé moi si vous souffrez. C'est ce qu'on essaie. Premièrement, pour reconnaître la prophétie, il y a un Zambé, maman. Quand on l'a dit, quand on l'a dit, quand on l'a dit. Zambé, la Bible parle que le don de l'esprit est pour l'édification de l'église. Exact. C'est pour édifier, c'est pas pour mettre quelqu'un dans l'amertume. Et tiens, mon tunakat, il y a pour les latins, et tiens, mon tunakat, il y a. Il y a souci, il y a problème. C'est-à-dire, un zamba le bilara moutou, et ça pour que moutoua zala édifié. Ceux qui prophétient, ils ont édifié moutou, c'est qu'ils ont sous prophétie. Comment on peut reconnaître une vraie prophétie? Premièrement, lorsque Dieu parle, il parle avec précision. Deuxièmement, il donne un signe. Troisièmement, il donne une orientation. Je répète, Dieu parle avec précision. Il donne un signe et à la fin, il donne une orientation. Oui.
C'est-à-dire qu'on a prophétisé sur, par exemple, DT. Il faut la juste. Il faut la peine à signer où on a ma profession. Troisièmement, il faut la orientation. Si la prophétie est de Dieu, ce qu'elle va poser pour la masse, c'est Zamba Talisi, que l'Ibala Wana, Esaïa Yote, ils ont précision. Deuxièmement, il faut appeler ces signes. Qu'est-ce qui prouve que Esaïa Zamba était Zamba, c'est la forme signe. Maramoué de Kabolabine. Parce que moi, je suis prophète, j'ai à prophétiser comme ça. Ma soeur Zamba Talisana, l'Ibala Esaïa Yote, Dieu me dit comme signe. Des mois du bosson, tout le monde a fait un moment à Bino, à Oya, au Salabo, au Salabo, à Pobo, au Kabouane. Quand la personne voit ceci, oh, Dieu a réellement parlé. Troisièmement, là tu vas voir l'orientation. Après, je lui dis, Zamabi Sina, vous ne pouvez pas bien jouer. A Olegaï, vous voyez, ben, normalement, on a beaucoup de temps. Quand elle a les deux signes, même si Amoni Mobala a dit, elle ne va pas douter. Parce que Dieu lui avait donné les signes. Maman, Dieu ne parle pas avec vaille. Quand Dieu parle, il parle avec une précision. La question que je vais poser à ma soeur, est-ce que le prophète appelle ça qu'au signe? Si on appelle ça qu'au signe, tu as le droit de goûter. Alors, merci, merci beaucoup, prophète, pour la précision au PCBSO. Là, pratiquement, au chargé, responsabilité à Bandimi. Mais dans l'ingina, je vois ce responsabilité à Bassali dans Zambé. On a par exemple, on a assisté les lots à la démonstration. On a pas namaté à. Il est prophète. On a maté à l'obi, à vu téléphone, à Bendi, à l'obi, aux hôtels, à Moutoubo et tout ça, des choses comme ça. Je ne sais pas comment on peut prendre ça. Est-ce que Zali n'a pas de normes prophétiques? Parce que Aouto le Bango, bien que la prophétie doit respecter un certain nombre de signes, un certain nombre de principes. Alors, ces comportements que nous voyons dans la télévision avec la plupart sont toujours nommés prophète X, prophète Y. Est-ce que Zali a une bonne prestation? Bon, je comprends ce que je comprends, une question, papa, il a par rapport à l'eau et les gamins colonna, internet. Exactement. Même voilà. Dans la télévision. Premièrement, je vais s'adresser à la caméra pour lui savoir dans Zambéboué. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui parle avec précision. Zambako peut sa combo na yo. Zambako détaillé mon tour dans la chambre hôtel. Dieu peut tout faire au union son papa lobby a. Son problème est annulé. Objectif, il y a un message et ça, nini. Parce que, dans le biawa, prophétie, but, dans le zayako, est difficile. Mais maintenant, prophétie, au bas, ils ont édifié, toi, ils ont étonné. Il y a la prophétie, je vais répondre à sa question, non, répondre très bien pour comprendre. Il y a la prophétie aujourd'hui dans l'église, c'est pour étonner. Que les gens soient épatés. C'est pour le culte d'un prophète. Quand il va prophéter, il va te voir ça là. Bravo. À sa colonne à précision. Alors lui, ma camouille, c'est vrai. Premièrement, pour reconnaître un faux prophète, vous allez le reconnaître facilement comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est pour son honneur. Au moins, un prophète doit prophétiser. Je veux vous prouver que je suis prophète. Comprenez déjà, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, dans Jean 16, la Bible dit, il est là pour glorifier le nom de Jésus. Il n'est pas là pour glorifier un homme. Lorsque Jésus est élevé, la personne qui élève Jésus aussi a son mat. Et ça fait que tu fais un culte, tu parles plus de toi. Je vais détailler des gens aujourd'hui. Non, dis, le Saint-Esprit va détailler. Aujourd'hui, je vais prophétiser avec précision. Dis, le Saint-Esprit en moi va parler avec précision. Les problèmes, c'est ça, papa. Quand on prophétise, c'est pour la gloire de Jésus. Mais est-ce que prophétie, c'est pour la gloire en Zambie? C'est-à-dire, bref, pour nous répondre à la question, la prophétie, où ils ont édifié avec précision, oui. Mais où ils ont un but, il y a qu'à épater, il y a qu'à étonner, ils ont un zambété. Revenons dans Acte 8, pour autant l'histoire, il y a Simon. Simon, c'est quelqu'un qui opérait des miracles. Mais bon, miracle, il a opéré autant dans Zambété, ça étonnait la foule. Aujourd'hui, il y a des prophéties, il y a des miracles, non pour la gloire de Dieu, mais ça étonne la foule.
ça épate la foule. Et ça, ça ne vient pas de Dieu. La prophétie ne vient pas épater, étonner la foule. La prophétie vient édifier. Donc, ne prophétisons pas pour que les gens soient épatés. Ne prophétisons pas pour qu'ils aient spectacle. Prophétisons ce que Dieu nous a dit. Et, simple, pour nous aussi, ça, comment reconnaître que le prophète, toi, vous prophétisez dans Zambé, toi, vous prophétisez pour nous épater. Langage là. Il y a des prophètes, quand ils prophétisent, alors, Zambé, il s'en a dit, un golo. Mais on n'est pas en Zambé, on a une vision. Mais prophète, quand tu es parti, tu verras par son charisme. Au moment où tu as un star, tu sens quand il entre. Parce que, lève-toi. D'ailleurs, il est aux abos, D'ailleurs, raconte à la chambre. Ce genre de actes, ça démontre que quelqu'un cherche sa voie. Si la prophétie vient réellement de Dieu, le fruit du Saint-Esprit sera manifesté. Merci, prophète. Généralement, une petite question courte. Généralement, prophétie, ça prend combien de temps pour s'exécuter? Est-ce que ça peut être instantané ou ça peut prendre du temps? La prophétie, je peux répondre, il y a des prophéties à longue durée et à courte durée. Il y a des prophéties aussi instantanées. C'est-à-dire, aux autres, ça peut la prendre à mon tour. Si au place, celui-ci, normalement, on a aux appels, Mais bref, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui détermine la durée de l'accomplissement d'une prophétie. Dans une église où il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie, est-ce que c'est une église vivante où ça vaut la peine que demeurer, évoluer ou pas? Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul est en train de dire, que ferez-vous frères lorsque vous êtes ensemble? Il commence à énumérer, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une chanson, une exhortation, une prophétie? Cela veut dire quoi? Dans le déroulement et culte, nous avons aussi besoin d'un temps c'est biblique, c'est dans la parole. La prophétie n'est pas hors Bible, la prophétie est dans la parole. Si une église méprise la prophétie, allons respecter ce bimètre. Parce que Bible lobby, ne méprisez pas la prophétie. Alors, dans chaque culte, dans chaque église, on doit reconnaître et à savoir honorer la grâce de la prophétie, la grâce de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, les dons de la guérison, les dons de la foi, etc. etc. Voilà. Merci, alors, prophète, merci beaucoup. Nous sommes ravis. Je pense que Maman Azo Landabiso a comprendre. Vous et nous, nous avons compris qu'il faut tout ça, la vraiment différence. Il y a bien sur la prophétie et les dons de la... La parole de connaissance. Et puis, bah, le vin abisso, il faut que le temps où vous allez dans la prophétie, il faut précision et puis orientation. Donc, ce qui précision sur la prophétie, orientation, en tout cas, ma soeur, vraiment. Et puis tant que vous avez prophétie, orientation, il faut la concentrer pour que parfois on peut l'équipe pour remarquer en côté. Donc soyons vraiment vigilants et puis toi. Mais donc prophète, et le connu dans la mina biso topé na maman ouyo apesibiso de Cameroun parce que pour conclure. Bon, d'accord, répondre à maman la biso dans le maman la langue très bien. Oui, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Prends le temps, il y a autant la Bible. Prends le temps, il y a Koye Banzambe, Nanzela, il y a Bible. Deuxièmement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on n'y prend pas garde. Cela veut dire, Dieu parle aussi par le songe. Parce que notre première prophétie, il y a vie à mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé? Quand tu sors de la parole de Dieu, tu vois tes songes, après tu vois la prophétie, c'est alors que Royeba, message, Isaïe solo, tu es le coutant. Parce que la plupart des prophéties, alors je dirai à ma soeur, rien n'est perdu. Sambe lanzambe. Ce mobile nazayo a kozonga kan. Ce qui pas ayoté, nzamba bonsedio, le kamomoko ya monene. La prochaine fois, vous ba repesso prophétie, l'année là que ba pesso précision, ba pesso signe
après son orientation, ni nekoya, comment est-ce qu'on ça là pour évacuer la prière, pour qu'on ça la telle ou autre chose. Je pense que le peut se sentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vu le temps, je crois que.